Salut tout le monde, c'est Bombinacha. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comment mettre un mur ou un n'importe quoi invisible. Comme regardez là, je mets ça invisible et je ne peux pas passer à travers. Donc c'est très simple. Pour le faire, vous devez prendre le truc. Vous devez regarder. Je vais vous montrer un exemple, ok? Premièrement, vous devez prendre une construction comme ça. Vous devez prendre une construction. Après, vous devez en même temps le poser. Vous devez appuyer sur 10 marches. Vous devez appuyer sur votre touche pioche. Moi, c'est Q, donc vous devez appuyer sur la touche pioche. Donc, je crois que ça marche seulement sur PC, mais pas sur les consoles. Mais vous pouvez tout mettre invisible, ça marche avec les arbres et tout. Mais il y a un malentendu, une chose poche. C'est que si vous mettez ça invisible, dès que vous allez quitter votre île, cet objet ne sera plus invisible. Et si vous lancez une partie, il ne va plus être invisible aussi. Donc il va juste être invisible avant que vous lanciez la partie. Donc c'est juste un petit inconvénient assez pauvre. Mais vous pouvez le mettre invisible et ça marche juste en créatif. Et sûrement juste sur PC. Sinon vous pouvez essayer sur les consoles. Mettez la pièce et vous appuyez sur la cloche. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. S'il a marché pour vous, dites-moi en commentaire s'il a marché sur console. Sinon, faites-le avant que la prochaine saison arrive. Il reste 2 jours. J'ai trouvé aussi un cloche pour aller en créatif, mais il reste pas assez de temps pour le faire. Donc je vais attendre la saison 8 pour recommencer les glitches. Et j'ai une petite série que je suis en train de commencer avec un compagnie de Green Gamer. Donc je vais mettre sa chaîne en description. Donc dites-moi, vous me direz si vous aimez la série. Donc c'était Bombino, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Bombino, ciao.